Et bonjour les amis, bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue aux nouveaux arrivants et arrivantes qui viennent de s'abonner à la chaîne. Je vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, en ce mardi, on va se faire une vidéo quotidienne sur Car Mechanic Simulator pour mes abonnés fidèles qui me suivent sur cette vidéo là aussi. Là, on va finir notre très chère nénette, donc Christine, du film de Stephen King, un film d'horreur. Et la dernière fois, on avait fait tout ce qui est carrosserie. Là, on a fait tout ce qui est jantes, essieux et tout ça, ainsi que le volant. Et là, aujourd'hui, on va finir la carrosserie et bien évidemment la peinture. Donc, on est parti pour le bloc moteur tout neuf, bien évidemment. Et le broquin, il faut relever le moteur. Je sais, j'aurais pu mettre le moteur sur le support qui est là-haut. Là. Mais bon, j'ai plus envie de faire comme ça, pour une fois. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que vous avez passé une bonne journée, et tout, et tout. Quant à moi, ça va nickel. Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont suivi hier dans le live, et il y aura peut-être un ce soir, normalement. Villebrequin, ouais, on va chercher. Non, Villebrequin, c'est vite. On va gagner du temps. Veillel. Voilà. C'est pas ordre avec Broquin. Il m'en faut deux. Deux. On va en prendre trois en cas où. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Hop. Ah, ça va aller assez vite, normalement. Parce que là, on n'a plus que le moteur à faire. Et une fois que c'est fini, ben. Filtre-ville. On l'a pas. C'est pas grave. Et elle. Vous voyez, filtre à ville, ça va plus filtre à ville V8 surtout. On va pas se tromper parce qu'il veut qu'il y en a plusieurs. Voilà. Donc maintenant, et on redescend le moteur. La voiture. Non, c'est pas grave, ça va aller assez vite. Maintenant, c'est les pistons à mettre et tout ça. Ça va gagner du temps. Bon, donc, il faut 4 T4, 8, 8 pistons avec segment. On va prendre 8 pistons avec segment, il y en a plusieurs, c'est des pistons avec biel, donc des pistons normales. On va prendre 8. Voilà. Mais piston, segment de piston, on prend pareil, 8. Voilà. Et comme ça sera tout neuf. Et on sera tranquille. Vous en pensez? Allez, on y va. On y croit, on en veut. On va construire ça. Après, on va relever la voiture pour finir le bas. Ça, j'ai besoin d'y retourner. Culasse, j'en ai une. Donc, autant profiter qu'on est ici. Voilà, le côté bleu. Non, pas le distributeur, la culasse. Ah, j'ai pas de culasse. Distributeur d'allumage, je l'ai pas non plus. C'est pas grave, on va déjà s'occuper du bas. De toute façon, là, c'est la dernière de cette voiture-là. Mais après, ça sera surtout du comment ça s'appelle. Après, ce sera la peinture et tout ça. Ça s'appelle comment ce truc-là? Chapeau de biel. Chapeau de biel. Non, c'est pas ça, c'est là. Il en faut 8 et 8, 16. Non. 8 plutôt. Par contre, c'est... Oh lolo. Je sais pas, c'est le matin au réveil, ça. Donc, quand je vous disais, oui, ce soir, si tout va bien, je ferai un live sur la map de Ricky, évidemment. Je vous ai fait en présentation hier. Elle a l'air quand même bien intéressante comme map. Avec les constructions... Des constructions comme ça, c'est vraiment pas mal. Bon, je ferai une préparation à l'avance. Évidemment, pour tout ce qui est champ, tout ça. Alors, j'achèterai à l'avance, comme ça on sera tranquille. On aura ça au moins. Allez, plus qu'un chapeau de biel. On mettra le carter.
Les échappements, si tu veux l'échappement avant V8OHVD. Tuyau d'échappement V8OHVD. V8, 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 OHV, non. Faut vraiment être patient, je vous le dis. Collecteur d'échappement. V8OHVD. Donc, on en prend deux, un de chaque côté. Pas de problème. E. V8OHVD. Ah, c'est toujours des tuyaux d'échappement avant. Ah, petit malin. Donc, normalement, il doit être orange, genre, tuyau, non? Bon. Et 8 tuyaux d'échappement. Il pourrait y avoir une technique en cliquant sur le bloc-notes et tout ça, mais vu que je connais pas, donc. Enfin, c'est pas que je connais pas, parce que j'ai jamais essayé. Donc, on va essayer autrement. Voilà. Liste des pièces. Ajouter la liste. Et on va voir ce que ça donne. Voilà. Et oui, et là on fait comment? Regarde, liste d'achat. Vente. Non. Bloc moteur. Ah, mais non, est-ce que c'est eux? Oh. Bon, alors on commence. C'est pas grave. Deux. Non, mais. Ah. C'est ça, ça, et ça. Donc, maintenant, on va aller. Ben, si. Dans la, comme ça, ouvrir la liste d'achat. Ah ouais, on gagne quand même du temps pour ces petites pièces comme ça. Bien, ça va quand même un peu plus vite quand même. Ouais, ça va beaucoup mieux quand même. Carter, hop. Carter, hop. Ça sera fait aussi. Hop. La boutique. Ouvrir la liste d'achat, tuyau d'échappement, carter d'huile. Il nous en faut qu'un seul. Ah oui, ça va quand même plus vite avec la liste quand même. Comme ça. Vous avez pu voir maintenant comment qu'on fait. Vous les faites devant vous, comme ça. Vous êtes tranquille. Et au moins, c'est fait. Ce n'est plus à faire. Allez, je vais faire. Je répète ça assez souvent. Ce mot-là. Mais bon. Bon, culasse. Voilà. Distributeur, on va faire dans la liste. Bon, la pompe. Et d'ailleurs, on va dire acheter tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouvrir la liste d'achat. L'échappement, c'est fait. Le carter, c'est fait. Donc, la culasse. Acheter une pièce. Donc, et on continue. Oh. Distributeur d'allumage. E. Hein? Distributeur d'allumage. Ah, c'est pas le bon truc. Là, c'est ça, c'est là-dedans. Distributeur d'allumage, oui. Après, il va falloir le rotor. Et... bobine d'allumage. Oui, allez. On va déjà monter ça, hein. De toute façon, pour la fin, on fera la... Le montage de le montage, la peinture. Après, on verra bien combien qu'elle nous rapporte. Et si ça continue à vous intéresser, dites-moi dans les commentaires pour qu'on continue sur d'autres voitures ou pas. Là, je vous laisserai le choix dans les commentaires de me dire si ça vous intéresse toujours qu'on continue ou pas. Ça c'est vous seul à la décision, bien évidemment. Le carburateur, ça tombe bien, on les a. Et 100 moins acheter. Hop, 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 hop. Allez, 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 allez. Hop. Je vous fais cette vidéo-là. Il est court, il est. Ouais. Pas l'un des bruitaires. Hein. C'est pas le filtre à carburant. Bon, c'est pas grave. Voilà. Bobine d'allumage. Ah, rotor de distribution. Bon, ça va aller vite. R-O-T. On va pas faire une liste pour si peu. Voilà, rotor distribution. D'allumage. Clips type B. Ah, les clips. Soit c'est là-dedans ou soit dans les pièces mécaniques.
Non, je m'en doutais, c'est dans les pièces mécaniques. C'est LIP, B, il m'en faut deux. Pour chaque côté, bien évidemment. Hop. Un petit coup là-dessus. Et voilà. Donc maintenant, ah, les poussoirs. Il en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo. Et ben, on va effacer tout ça. Alors ça sera fait. Donc on avait dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 poussoirs. Youpi. Génial. Et ben, par 2, ça fait 16. Super. Eh ben, on a de quoi se prendre la gueule, je vous le dis. Bon allez, et on y va, ouvrir le truc d'achat, poussoir, filtre à carburant, oh, ouais. Donc là, on avait dit 16. Eh ben, ouais, 16, pas 18. Oh, c'est pour vrai ça, filtre à carburant. Il n'en faut qu'un seul, bien évidemment, mais oh. Ça m'a dit de refermer toujours ça à chaque fois, moi. Maintenant, on peut fermer. Bon. Hop. J'ai le poussoir, mais j'ai pas le truc qui va avec. Pas normal, genre. De toute façon, c'est une voiture qui est en mode, donc. Ah, j'ai oublié les plus importantes, je vois d'ici. Ah, buteur. Il va falloir deux. Là, toc. Et gibou. 1, 2, 3, 4, ça fait 8. 8 gibou. Bon, ouais, buteur. Voilà, il m'en faut 2. Voilà, hop, dans. Les gibou, pose un, elles sont ici. Avec les 4, on a 8 gibou. On avait bougé. Hop, on sent le moteur. On arrive bientôt à la fin du moteur, bien évidemment. Comment ça va être débarrassé de tout ça, à force, hein. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc, le couvre-culasse qu'on n'a pas. Deux secondes. On va dégager tout ce petit monde-là. On va prendre de la place. Ça, hop. Hop. Bon, ça, là, on peut le placer tout de suite. Le filtre, on l'a pas, on mettra ça plus tard. Un petit tour de l'autre côté si on y est. On va mettre les bougies. Oh, il y aura le disque d'embrayage, tiens. Le disque d'embrayage, le volant moteur, et tout ce qui va avec. Et surtout en espérant qu'on aura pas ce qu'on aura. Va bien nous rapporter cette voiture-là. Et franchement, nous en aura mis du temps. Hein. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on refasse une autre voiture ensemble ou quoi. Je vous laisse le choix. Par vous-même. C'est vous qui décidez. Bon, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Encore quelques voitures en réserve. On puisse faire ça ensemble. Et il y aura de quoi faire. Ah, c'est bon, il y a les deux. Ah, mais. Hop, ça va dans la liste. Et voilà. Donc, on va dire. Oh non, mais non. Direction, magasin. Voilà. Ouvre culasse. Il nous en faut deux. Pas d'oublier. Mais bon, je crois que j'ai fait une erreur. Pas deux qui en faut, c'est moi, c'est un. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ultra air. Et un bracam. Là. Et acheter. Voilà. Vous allez voir que l'autre carter, c'est pas le bon. Sur un certain. Ça, je m'y attends gros quand une maison. Et voilà. Toi, tu vas me le payer cher, celle-là. C'est pas grave. C'est de ma faute. C'est moi qui a fait le clown. Et là, c'est bon, il y a le bouchon de l'huile. Voilà. On voit bien la vie en orange dedans. Avec ce moteur-là. Wow, 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 wow.
Câble d'allumage. Hein, j'en ai pas non plus. Bon. Deux. Ça c'est fait. Hop. J'ai rien là-dedans. Parole. Bon, allez. On continue les achats. Broculasque, broculasque, câble d'allumage. C'est pas là, mais c'est pas vrai. Mais d'achat. Arbre à cam, couvercle. Le couvercle ici. Ensuite, on repart dans l'électronique. On va retourner là-dedans. Câble d'allumage. Ça va quand même qu'on gagne du temps quand même comme ça. Vous promets. Quand même beaucoup mieux comme ça. Et on sent bientôt la fin de la voiture. On s'en approche, on s'en approche. Bon, par contre, le radiateur nous fait chier dans le passage. Roue dentée. On n'a pas, mais bon, c'est pas grave. Hop, déjà, on va faire une petite chose. Toc, 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 toc. Voilà. Bloc-notes. Tout ça, ça va. Après, c'est la chaîne qui va nous embêter. Ouais, c'est des dash, là. Voilà. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Mais... Ok. Et coucou, lui. Bon. Oh. Moteur roue dentée. Allez, maintenant il y a la chaîne de distribution. De toute façon, vu que j'ai aucune pièce dedans, c'est super. Tout ça, ça va être pour le plus important. C'est pour tout ce qui est distribution. Donc, on va voir de quoi faire. Bon, j'ai pas encore l'allumage. Ah. Et quand même quelques pièces quand même qui me restent encore. C'est déjà ça. Oh! Ah, la pompe, je l'ai. Oh, tu m'énerves, le filtre. Le radiateur. Voilà. Bon, pour les V8, je l'ai pas. Oh, je sens qu'il va y avoir un radiateur qui va dégager. Oh, voilà. Et, oh, tu me lâches les pompes, oui. Oh, mais punaise, mais c'est pas vrai. Il est chiant, ce radiateur, ce truc-là. Hein, la collision de caméra. Là. Bon, c'est pas grave. Hop, on fait ça. Mais pas vrai, lui, c'est ça. Je comprends pas ou quoi? Oh. Là, je regarde surtout les logos. C'est bon ou pas? Ouais, excusez-moi, regarde le zozoï. Ah, poulie de pompe à eau. Et le bras. Voilà, le bras type A. Et voilà, normalement, c'est ce qu'il faut. On peut acheter tout ce monde-là. Voilà. Ensuite, il y a celui-là. Ça, c'est mon avis, c'est pour tout ce qui est démarreur et tout ça. Police pompe à eau. Hop. Et voilà. C'est fait. Mais oh, je pense que pour la dernière, elle va être un petit peu plus longue que d'habitude, vidéo. Donc j'en suis désolé. Bon, on n'a pas la pièce, pourquoi pas. On verra ça après. C'est pas bien grave. Ça m'empêche, ça n'empêche en rien. Voilà. Donc, deux pièces pour l'instant. Oh. Pompe de direction assistée. Et l'alternateur. Donc, hop, on va dans le magasin. Ouvrir menu d'achat. Pompe de direction assistée. Voilà, ouvrir l'achat, j'ai dit. Alternateur, qui est pas là-dedans, qui est dans l'électronique. Il y en a deux, et c'est alternateur I6B. Voilà, allez. De toute façon, il n'y a plus que ça. Il y a le montage de la... Encore de la... De l'embrayage. De tout ce qui est embrayage. Oh, on s'est tapé sur le système avec ses courroies. Donc c'est pas grave, on va essayer de se dépêcher un peu plus vite quand même. Même si j'essaie de faire de mon mieux.
Le moteur, il y a beaucoup de travail à faire dessus. Courroie dentée, arbre à cames. On va voir quand même, mais je parie que je l'ai pas. Ah bah non. Comme pas changé. Hein. Yep. De toute façon, j'avais pas acheté ça pour commencer sans vous. Ça sert à rien. Je préfère vous attendre pour continuer. Vous voyez, comme ça, on continue la voiture ensemble. Pas mal. Pas mal. Alors ça, on fait tout ensemble. On fait tout le montage de la voiture ensemble. Vous pouvez voir là, tout le moteur. Il m'a l'air d'être bon. Alors maintenant, hop, on ferme. On soulève. On la soulève, c'est la grosse merde là. Hop, coucou, j'arrive. Voilà, bon. Hop, le montage. Je vais regarder voir si j'ai pas des volants moteurs de réserve. Et non. Pas besoin de le faire. C'est dans ici. En retirant, bien évidemment, ce nom-là. Hop, en bas. Volant moteur. J'achète au fur et à mesure, parce que je crois que j'ai de l'embrayage de réserve. Wow. Ah oui, vous voyez. Là, plateau de friction. Allez. Plateau de friction. La butée d'embrayage. Et on verra pour la. Pour le. Pour la boîte de vitesse, on verra. On cherche pas. Voilà. Donc, ouais. Boîte de vitesse, vite au HVF. On n'a pas. Donc, allez, on continue. Hop. Ouvrir. Boîte de vitesse. C'est quand même un gain de temps, ça. Un de mes abonnés dans la dernière vidéo qui m'a conseillé de faire comme ça. Franchement. Je le remercie vraiment très bien. C'est ça en info. C'est vraiment pas mal. Franchement, ça va super bien faire comme ça. On gagne du temps. Et ça va super bien. Oh, on n'a pas l'alternateur comme par hasard. Dune. 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 Alternateur. Ça va être dans électronique, ça. Non, c'est le démarreur, pas l'alternateur. Faut pas chercher, je suis fatigué. Enfin, je suis fatigué, non, je viens de me réveiller plutôt. Et voilà, et le dessous, il est fait. Hop. Tout le monde en bas. Voilà. Ah ben non, mais non, mais non, mais non, il était déjà mis. Tout était déjà mis. Bon, allez. Maintenant, on va faire tout ce qui est niveau. Et je pense que le restant, ça va être tout ce qui est peinture, bien évidemment. Voilà, lave-glace, bon, il n'y en a jamais assez. Le radiateur. C'est comme les voitures, quand vous faites votre premier niveau, toujours en mettre jusqu'au maxi. Comme ça, vous êtes tranquille. Ça va. La voiture va boire. Donc, à bien vérifier tout ça. Mais bon, moi, je vous apprends rien. Hein. C'est un petit jeu, c'est bien pour se passer le temps, ce jeu-là. Moi, pour moi, il est pas mal. Il vaut plus rien maintenant. C'est malin celle-là. Hop. La batterie, tout ça, tout est mis. Ce qui m'intrigue, c'est surtout les fusibles. Ils sont encore ouverts de boîte à fusibles. 3%, donc c'est bon. Voyons voir. On peut voir tout ça. Ça va plus vite. Ça, et 100%. Tout ça est à 100%. Ouais, tout est à 100%. C'est bon. J'ai oublié quelque chose. Et hop là. Le liquide de frein. Très important du liquide de frein. Sinon, si vous voulez jouer au pierre à feu, ça va être radical. Donc voilà, Titine, elle est prête. Maintenant, un peu qu'à envoyer et passer la voiture au stand de peinture. Bon, petit chargement.
pas très longtemps. Hop. La peinture, peinture d'origine. Ah oui. Peinture d'origine. On la laisse en origine. Écoutez, elle nous coûte 1000 crédits. Entrée. Et voilà. On va attendre. Et voilà. On va la mettre au jour, bien évidemment. On la verra beaucoup mieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Et voilà, la tétine qui est prête. Et la voilà. Franchement, nickel. En plus, avec sa roue de secours à l'arrière en plus. Voilà, superbe. Vraiment super. Ah. Moi, j'ai pas les sièges. Ouais, j'ai pas les sièges parce que je les ai pas trouvés. Donc, c'est pas grave. Et voilà, les amis. On a Eutonne. Non, 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 non. On ne voit pas parce qu'on n'a pas fini. Donc, valeur des pièces, on en a eu pour 24 541 de crédit. Valeur de la carrosserie, 11 028 de crédit. Valeur des pièces haute performance, on n'en a pas mis parce que c'est pas une voiture de course. Condition des bonus, 7 113 de crédit. Prix d'achat, 4 518. Mais si vous vous rappelez, elle était dans un sale état. Valeur à la revente, 42 682. C'est pas terrible. Et bénéfice 38 164. Vendre la voiture. Oui, on la vend. Et voilà. Et ça nous fait 146 776. Et voilà les amis. On arrive à la fin de la vidéo, Christine. Si ça vous intéresse de refaire d'autres voitures, dites-moi dans les commentaires. J'en ai d'autres, vous inquiétez pas. Si ça vous intéresse et tout ça, dites-moi tout ça dans les commentaires et tout. N'hésitez pas à lâcher un max de pouces bleus, de vous abonner, d'activer votre cloche et de partager si le cœur vous en dit. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Prenez soin de vous, portez-vous bien et peut-être à ce soir pour le live. Allez, ciao ciao!